Alors, ils ont signalé la vidéo, comme j'ai dit. Ils ont signalé la vidéo. Je vous ai dit, oh. J'ai dit, moi, là, je ne vais plus passer par mille chemins. Parce qu'il faut conscientiser les Africains. Il faut qu'on nous parle. Il faut une offensive au niveau de la CEDEAO. C'est pour ça que bientôt, nous allons lancer un appel aux jeunes. Il faut qu'on soit dans ce pays. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on échange avec nos dirigeants de la CEDEAO. Il faut qu'on essaie de revoir beaucoup de choses. Je ramène la vidéo qui a envoyé, qui a été à l'origine du coup d'État. Et je vous ai dit, j'ai répété. Tant que Damiba est quitté en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'aller au Mali, par rapport à nos 46 soldats, il est revenu de la Côte d'Ivoire. Les gens ont mis leur machine en place pour déstabiliser Damiba. Et vous savez que moi, je n'ai jamais soutenu Damiba. L'inquiétude que j'avais, c'est ça qui est là. Parce que je sais que les militaires, ils vont s'affronter entre eux. Ils vont faire des coups d'état entre eux. Ils vont faire des coups d'état entre eux. Je les connais. Je connais les militaires de notre sous-région. Ils ne valent rien. Ils ne valent rien. Ils viennent juste pour distraire les gens. On avait Guy Robert dans notre pays. Guy Robert avait un coup d'état. Gbagbo a pris le pouvoir là dans sa main. Gbagbo l'a blagué, il a pris le pouvoir dans sa main. Il y a eu des morts. Donc moi qui parle là, je viens d'un pays qui a connu ces événements. Il y a eu la rébellion de 2002. Rébellion de 2002 là, il y a eu. Qui s'est transformée, tentative de déstabilisation qui était transformée en une rébellion. J'étais là-bas. J'ai vu ce qui s'est passé. On a terminé en 2010 avec plus de 3000 morts, chiffre officiel. Envoyez ma vidéo à mes frères burkinabés. Dites-leur que Zanson dit ne fait que vous parler. Vous parlez du panafricanisme. Je vous ai toujours rappelé que le panafricanisme, c'est le combat des Noirs aux États-Unis. Ils voulaient être dans les affaires. De grands artistes, des médiateurs, des médecins. Ils voulaient être dans le système. Aujourd'hui, ils les ont réussi. Ils ont réussi pleinement leur but. Ils sont riches, ils sont puissants. Ils ont réussi à corriger beaucoup de disparités, beaucoup de choses. Dans le système américain, les Noirs sont forts. Aujourd'hui, le panafricanisme actuel, c'est devenu dégager les présidents élus du pouvoir. Instrumentaliser des militaires, des soldats. Mais quel soldat que vous voyez qui va aujourd'hui dans vos 6 régions, qui va vous donner la paix et la stabilité? Vous parlez de la Russie. Cher ami, moi je suis pro-russe. Moi, depuis des années, là, moi je soutiens la Russie. Mais si c'est Russie là, vous amenez en Afrique, je soutiens la Russie parce que première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, Poutine a réussi à relever le défi face à la Tchétchénie. La Tchétchénie, des terroristes, des djihadistes qui étaient à la Tchétchénie pour venir tuer des Russes en plein Russie. Les Russes mouraient. C'était des bombes qu'on plaçait. Les camions que vous brûlez là, ça suffisait en Russie. Étudiez l'histoire de la Russie. Tu étudiez l'histoire de Poutine. Poutine a affronté les djihadistes, il a mis des militaires, des soldats en place qui sont allés à Tchétchénie, qui ont mis de l'ordre. Qui sont allés à Tchétchénie, qui ont apporté la stabilité dans Tchétchénie. Tous les Géorgies, Poutine a mis la stabilité dans tous ces pays. En Russie, Poutine a mis un système qui a fait qu'aujourd'hui, la Russie, là, il y a la stabilité. Vous, vous avez été formés, d'après vous, vous êtes des soldats. Vous êtes formés. Envoyez-vous au Burkinabé. Envoyez ça à ce peuple, à bientôt à qui on va donner le trophée des puissistes, des meilleurs producteurs de coups d'État avec le Mali, les producteurs de coups d'État dans la sous-région, on va leur donner le trophée. Vous n'avez même pas honte à ce 21e siècle. Vous faites des coups d'État, vous fragilisez le système, et puis vous appelez ça peuple. Vous mettez vos partisans dans les rues, vous déstabilisez des présidents élus, et vous appelez ça peuple. Des analphabètes qui sont toujours dans les rues qui ne comprennent pas. Hier, vous avez applaudi Ibeka. Vous avez applaudi, comment on appelle ça, Roch Kabore, il est parti. Vous avez applaudi Blaise Compaoré, il est parti. Roch Kabore. Aujourd'hui, c'est Doumbia. Après Damiba, c'est Traoré. Le lendemain encore, vous allez applaudir Traoré. Quand Traoré va partir, celui qui va venir, vous allez applaudir. Mais Burkinabé, vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Ça là, c'est une honte pour vous. Ça, comment des djihadistes brûlent plus de combien de tonnes de nourriture? Combien de tonnes de nourriture? Ça. 150 camions brûlés. 150, vous pouvez signaler la vidéo.
C'est votre problème, mais moi je vais parler. 150 camions brûlés, 150 camions remplis de vivres, ça a été brûlé. Tout a été brûlé, tout a été brûlé. Tout a été brûlé. Vous pensez que ça là, si c'est Poutine, Poutine l'a fait servir de renseignement. Si c'est lui là, il va rentrer là-bas. Il va rentrer là-bas. Il n'a pas été militaire. Il s'est formé sur le terrain, servi de renseignement et autres. Vous avez été militaire. Au lieu de rentrer là-bas, libérer cette zone, vous là, c'est un coup d'état vous venez faire et vous faites des déclarations. Je reviens dessus. Voilà la vidéo. La base française à Camoinsin, en mesure de planifier une contre-offensive afin de semer le trou au sein de nos forces de défense et de sécurité. Cela fait suite à notre ferme volonté d'aller vers d'autres partenaires prêts à nous aider dans notre lutte contre le terrorisme. J'ai écouté ça, j'ai écouté, mais j'ai ri. J'ai ri, ça m'a fait un peu pitié. Ça m'a fait un peu pitié. J'ai trouvé ça un peu triste. Le camp dont on parle, le camp de Kawesin, c'est un camp militaire de soldats burkinabés. C'est pas un camp français. C'est même pas un camp français. C'est un camp des propres soldats burkinabés. C'est là-bas, ils forment leur force spéciale. Ce n'est même pas un camp français. Mais comme les Français ont réussi leur communication, ils ont fait croire à leurs partisans que c'est un camp français. Parce que quand tu dis la France, quand tu dis la France, pour eux, ils ont eu leur ennemi. Mais ce que je voudrais leur dire, avant de dire on veut la Russie, il faut d'abord faire le point du Burkina, du Mali. Avant de dire, nous on veut que la Russie nous aide, mais faites le point de la Russie et du Mali. Assimi Goïta a fait un coup d'État. Assimi Goïta a fait un coup d'État. Aujourd'hui, 70% des territoires maliens sont occupés par des djihadistes et des terroristes. Malgré que ça crie, notre armée monte en puissance. Mais les territoires sont encore occupés par les djihadistes. Assimi Goïta a Kati. Tout récemment, les soldats de Wagner ont tué deux soldats des FAMA de l'armée française. Ils ont frappé les soldats de l'armée française et de l'armée burkinabé malienne. Les Wagner ont frappé les soldats de l'armée malienne. Ils ont tué deux. Et puis, rien. Assimi Goïta n'a pas parlé. Assimi Goïta n'a pas parlé. Je vous ai dit, la Russie ne peut pas signer de vrais partenariats dans des pays où il y a des coups d'État. La Russie va se faire représenter par Wagner. La Russie a l'aide. La Russie a de grandes puissances. Aujourd'hui, là, les puissances, là, ils ne peuvent pas se combattre entre eux. La Russie et la France ne peuvent pas se combattre. Aujourd'hui, l'Ukraine, la France arme l'Ukraine. Les États-Unis arment l'Ukraine. L'Europe arme l'Ukraine. Mais pourquoi Poutine ne les affronte pas? Pourquoi Poutine ne les affronte pas? Ce que Poutine peut faire, c'est de trouver des gens venus dans la sous-région, faire la guerre par des hommes interposés. Vous aujourd'hui compris, c'est là où il y a le taux de pauvreté. Les pays où il y a la pauvreté, ils estiment que c'est le bon pays où eux, ils peuvent se gêner entre eux. Mais ils ne feront jamais de guerre. Ils ne vont jamais faire de guerre. La France et la Russie ne vont jamais se battre encore du Mali, du Guinée ou du Burkina. Jamais. Je suis désolé pour vous. Ils ne vont jamais le faire. Si l'armée française se lève pour dire je mets l'ordre au Mali, là, la Russie ne va rien faire. La Russie ne va rien faire. C'est parce que Poutine, moi j'ai dit aux gens, j'ai appelé hier ma soeur Gouza. Si elle est connectée, elle va vous dire la vérité. J'ai dit, mais Macron, là, il est en train d'encourager des djihadistes à s'installer dans la sous-région. Macron est en train d'encourager les djihadistes. La politique de Macron actuelle dans la sous-région, je comprends Macron. Peut-être qu'il n'est pas suivi par certains chefs d'État dans la sous-région, que Macron préfère se retirer. Parce que quand il y a eu le coup au Mali, Macron a demandé à la CEDEAO de rester ferme. Les dirigeants de la CEDEAO sont quittés derrière Macron, ils n'ont pas écouté Macron. Donc Macron, lui, se replie sur lui. Il regarde, il observe. Macron observe. J'ai dit à Gouza, il faut que la France se réveille.
C'est-à-dire la France se réveille parce que nos militaires et de certains leaders d'opinion et les terroristes et djihadistes sont en complicité. Moi, j'ai compris aujourd'hui que c'est une complicité. Pour moi, il n'y a rien. Ce sont des complicités. Ils se communiquent, ils se parlent. Comment des soldats, au lieu d'aller rentrer dans la zone où on a brûlé l'essence avec un camion, viennent faire coup d'état entre eux et les militaires? L'argument qu'on trouve, non, l'autre n'arrive pas. Mais vous avez dit que Ibeka, chose, Roche Kabore n'arrivait pas, non? Ce n'est pas vous les mêmes qui avez dit que Roche Kabore n'arrivait pas. Vous êtes militaire et un président qui a été élu. Vous êtes militaire, lui vous a nommé, il vous a gradé. Vous fuyez le front, vous venez vous asseoir au palais et vous accusez le président. Mais ici, là, en Europe, là, il y a des terrorismes. On a vu en France, il y a eu Charlie Hebdo. Est-ce que quand il y a eu Charlie Hebdo, vous avez vu les soldats français faire coup d'État? Quand il y a eu Charlie Hebdo, est-ce que vous avez vu des soldats français faire coup d'État? Non. Les soldats français n'ont pas fait de coup d'État. Au contraire, ils ont poursuivi les terroristes jusqu'à dans leur dernier retranchement. Chez nous, comme nos populations, généralement, sont analphabètes, et je dis ça toujours, il faut créer des écoles, il faut créer des formations, il faut créer des centres de formation, il faut faire occuper la jeunesse africaine. Je le dis aux chefs d'État africains, changez de stratégie politique. Revoyez votre stratégie politique quand vous accédez au pouvoir. Les jeunes ne sont pas occupés. Quand les gens ne sont pas occupés, on les instrumentalise facilement. Quand les gens n'ont pas de situation, on les instrumentalise facilement. Ça dit pour les manipuler, quand tu es pauvre là, c'est facile de te manipuler. Quand les gens sont pauvres, c'est facile de les manipuler. Les djihadistes aiment là où il y a la pauvreté. Les Kemi Seba aiment là où il y a la pauvreté. Les Franklin Niamsi aiment là où il y a la pauvreté. Les Soro Diom aiment là où il y a la pauvreté. Et tous, ils aiment où il y a la pauvreté. Parce que là, quand tu vas là, il suffit de dire, tu suis de la France, c'est comme ça. Mais depuis que Sankara est mort jusqu'à aujourd'hui, quel est le bilan du Burkina? Rosy, ça fait un coup d'état au Ghana. Aujourd'hui, le Ghana est développé. Tous les petits villages du Ghana sont propres. Ghana de belles routes, des ponts. Ghana fait des merveilles. Mais depuis que Sankara est mort, Burkina est quoi? Parce que c'est des questions aussi qu'il faut se poser. Il ne faut pas avoir laissé le mouton seulement dans la haine. Depuis que Sankara est mort jusqu'à aujourd'hui, il y a quoi au Burkina? Dites-moi. Quand Roche Kabore est venu, il avait commencé à construire quelques routes. Tout ça là, c'est tombé à l'eau. Aucun partenaire financier ne peut venir au Burkina. Aujourd'hui, quand vous partez au Mali, le Mali continue les banques qui sont en Côte d'Ivoire. Ils ont des banques en Côte d'Ivoire. C'est ces banques-là qui ravitaillent l'argent aux Maliens, à Assimi Goïta et son régime. Ils ont des banques en Côte d'Ivoire, ils ont des banques au Sénégal. C'est ça qui est la vérité. Parce qu'on n'est pas ferme. On ne ferme même pas les, on ne ferme pas les tuyaux, on ne ferme pas tout. Donc, ils ne changeront pas. Mais c'est nous, ça fatigue la Côte d'Ivoire. Tout ça, ça se repose sur le Sénégal, ça se repose sur la Côte d'Ivoire. Parce que tous, ils vont venir, les Ivoiriens n'ont plus de travail. Ivoirien même n'a plus de travail dans ce pays. Parce que quand les Maliens viennent, ils ont certains de leurs parents. Donc, ils sont partout avec nous. Partout où on rentre, ils sont dedans. Ils luttent même notre administration. Ils luttent même nos administrations avec nous. Ils créent l'instabilité chez eux et ils viennent maintenant lutter nos systèmes avec nous. C'est grave. C'est là que j'interpelle les Ivoiriens. Vous parlez de la Russie. Je vais dire à Damiba. Je vais dire à tous ceux qui soutiennent Traoré. La Russie là ne peut rien apporter au Burkina. Je suis désolé. Regardez le Mali aujourd'hui. Chaque jour, ça meurt au Mali. Chaque jour, ça meurt. Des trentaines de personnes, 100, 200 djihadistes tuent. La Ouazad vient de proclamer son indépendance au Mali. Normalement, si la Ouazad proclame son indépendance, ça, écoutez ça. Si la Ouazad parle de ça, en hommage aux combattants qui sont tombés sur le champ de l'honneur, en hommage à l'ensemble des populations de l'Azawad durant toutes ces années de marche à la quête de la liberté et de l'indépendance, que ce soir, le comité exécutif du MNLA, à travers son secrétaire général, M. Bilal Aga Chérif, a proclamé solennellement l'indépendance
de l'État de l'Azawad. Et cela en considérant effectivement le droit international, notamment le droit relatif au droit à l'autodétermination, et considérant effectivement les massacres et les exactions encourues par le peuple azawad depuis plus de 52 ans d'indépendance du Mali, et en respectant aussi toutes les frontières ici du découpage colonial qui sépare l'Azawad des autres pays voisins, nous proclamons solennellement l'indépendance de l'État de l'Azawad à partir de ce jour, à ce moment précis. Le MNLA a... L'Azawad a proclamé son indépendance. Assimi Goïta devait faire une déclaration de guerre. Normalement, pour une geste sérieuse, Assimi Goïta devait déclarer la guerre. Assimi Goïta serait déjà en guerre. Il serait déjà engagé en guerre. Parce que là-bas, l'autre a proclamé, ça dit le Mali est indivisible. Mais un groupe s'est levé pour dire on proclame notre indépendance. Assimi Goïta devait déjà lancer une déclaration de guerre. L'armée d'Assimi Goïta et Wagner serait déjà là-bas en train de libérer les autres. Malheureusement, Assimi Goïta est muet. Est muet. Il prend son téléphone pour appeler les enfants qui sont en train de, qui sont au Burkina en train de faire coup d'état, des jeunes de 34 ans. Ils ne connaissaient rien. Et quand vous les voyez même en train de lire, communiquer, même tu as honte. Tu as honte. C'est les Frakner, Niamsi, les Kessem Kebala qui sont derrière ça. Alors que dans la sous-région, il y a des systèmes politiques forts et puissants qui sont là, mais qui ne donnent pas de chance aux gens qui mènent leur combat. Et c'est grave, c'est grave. Aujourd'hui, la communication, personne ne peut. Regardez ce qui se passe au Mali. Ils ont brûlé les ambassades. Vous trouvez normal qu'on brûle l'ambassade de la France? Sans aucune information, sans avoir même vérifié, ils sont allés brûler l'ambassade. C'est eux-mêmes les militaires maintenant qui appellent les jeunes maintenant. Il faut venir te faire une déclaration tout à l'heure. Il ne faut pas les jeunes là vont s'attaquer au bien de la France. Mais la France va riposter. Ils sont sortis pour faire une déclaration parce que la France va riposter. Ils savent que la France ne peut pas tolérer ça. Vous partez attaquer les ambassades de la France. Vous tapez à partir et puis vous dites on va tuer les Français. Mais vous vous amusez. Demandez à Gbagbo en 2004. Demandez à Gbagbo en 2004. Demandez à Gbagbo. La France vous regarde. La France sait que si la France veut vous mater, la Russie ne va rien faire. Moi je vous dis ça. Regardez bien comment le monde fonctionne actuellement. Ce qui se passe en Ukraine. Regardez des gens. Mais je l'ai trouvé, mais c'est sauvage. Simplement parce qu'on vous a dit Damiba, la France a caché Damiba. Mais Damiba, là, c'est un Burkinabé. C'est pas le même Damiba qui a fait coup d'état hier et puis vous avez applaudi. Damiba a fait quoi pour qu'on arrive à brûler les trucs de choses? Les djihadistes, là, ce sont vos frères. Ce sont des Burkinabés. Ce sont des Burkinabés, les djihadistes, là. Parmi les djihadistes, il y a des Burkinabés dedans. Vous le savez tous, vous, les Burkinabés. Parmi les djihadistes, là, il y a des Burkinabés dedans. C'est des Burkinabés qui font que les djihadistes contrôlent ces territoires. Il n'y a pas de terroristes dans un endroit si les fils de cette région ne sont pas impliqués. À chaque fois que je fais mes vidéos, je donne des exemples. J'ai dit que Gbagbo est resté à Abidjan 10 ans avec Soro parce que Soro est un fils du Nord. Soro est un fils du Nord, Soro était au Nord. Gbagbo ne pouvait pas désarmer le Nord. Gbagbo a passé 10 ans à jouer avec Soro. Ceux qui sont au nord, ceux qui sont dans les zones du Mali, 30% Burkina qui sont occupés, sont des fils du Burkina. Vous laissez les djihadistes, vous partez attaquer les biens des Français. Écoutez ici. C'est tout ça sauvage. C'est la lutte de la France qui est là. La lutte de la Russie. C'est le combat de la Russie qui est là. Brûlé, détruit, cassé. Mais c'est sauvage. Moi, je trouve ça sauvage.
Je trouve ça vraiment sauvage. C'est de la sauvagerie. Si c'est ce panafricanisme-là, mais c'est de la plus sauvagerie. Regardez. Vous avez fait votre coup d'État. Mais la France n'est pas d'État. La France, là, le cas dont on parle, mais c'est un camp militaire où on forme les soldats maliens. Mais simplement parce que les Kémisébans ont dit, les Franklin Niamsi ont dit, et autres, on s'en va s'attaquer au bien des Français. Mais là, là, vous énervez la France. Vous énervez la France. Vous êtes en train de provoquer des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Et puis là, là, vous êtes mal parti. Vous parlez de souveraineté. Je vais vous aider un peu. Je vais vous lire quelque chose que vous allez comprendre. Ici là, c'est l'Ukraine. Ça, c'est l'Ukraine. Ici, c'est l'Ukraine. Regardez bien, hein, c'est l'Ukraine. Tout ça, en rouge là. En rouge là, regardez bien, on appelait ça la guerre du Donbass. La guerre du Donbass. C'est la guerre du Donbass qui est la conséquence de la crise actuelle en Ukraine. C'est la conséquence de la crise actuelle en Ukraine. Les Donbass et autres sont des régions où il y a beaucoup de populations russes. Entre 2014 et 2020, le jeune qui est là, là, actuellement en Ukraine, Zelensky allait massacrer les parents russes. Il a massacré les Russes. Sans Suisse ici, ils ont fait les réunions à l'ONU. Sans Suisse ici, il y a eu des réunions à l'ONU. La Suisse a condamné les assassinats du pouvoir ukrainien. Je vous dis ça pour que ça rentre dans vos oreilles parce que la Suisse a condamné les morts ukrainiens. La Suisse les a condamnés. Il y a eu plus de 13 000 réfugiés. Et, attends, il ne faut pas, je vais donner des chiffres, je les regarde. 2014, il y a eu combien de réfugiés là? 13 000, il y a eu 13 000 morts. La guerre du Donbass, il y a eu 13 000 morts. Poutine a appelé la communauté internationale, les États-Unis, la France, tout le monde, pour dire que ceux qui sont dans l'autre partie, ce sont ses parents. Ils n'ont qu'à arrêter la guerre. Mais Poutine n'a pas été écouté. Les Occidentaux n'ont pas écouté Poutine. Les violations des droits de l'homme, les agressions, tout ce que vous voyez là, ils n'ont pas parlé. Il y a eu 13 000 morts selon l'Organisation des Nations Unies. 3 350 civils plus 4 100 membres des forces ukrainiennes et 5 560 membres des groupes armés pro-russes. Le déplacement de près de 1,5 million de personnes. Elle débute en février 2014 dans le contexte des manifestations Euromaïdes, dénonçant la corruption du pouvoir en place et la révolution ukrainienne de 2014. Chers amis, Poutine a parlé à tout le monde. De combien d'années? Aujourd'hui, Poutine est rentré en guerre en Ukraine. Il est en train d'annexer toutes les villes de l'Ukraine. Personne ne peut l'arrêter. La Russie, la Suisse a interpellé, la Suisse a envoyé des gens qui sont allés voir les Américains, les Français, eux tous pour leur dire, il faut que vous contrôlez le petit là. Parce que quand tu viens au pouvoir et puis tu ne respectes pas les droits des hommes, vous faites vos coups d'État, vos mouvements, vous ne respectez pas les droits de l'homme, les gens vont se lever contre vous. Quand vous massacrez, vous cassez, les gens vont se lever contre vous un matin. Et puis quand vous massacrez, personne ne peut venir réagir dans le monde. Moi je vous dis ça toujours. Ce que vous faites au Burkina là, c'est de la sauvagerie. C'est de la sauvagerie. Vous voulez les choses, la Russie comme partenaire, mais Russie en guerre, est-ce que vous êtes allé aider la Russie? La Russie en guerre? La Russie a lancé un appel aux volontaires. Combien de Burkinabés de Maliens qui sont allés?
La Russie a lancé un appel aux volontaires. Combien de Burkinabés et de Maliens qui ont répondu à l'appel? Non, c'est une question que je vous pose. Hein. La Russie a lancé un appel aux volontaires. Combien de Burkinabés et de Maliens qui sont allés là-bas? Je vais savoir. Si vous avez les chiffres, donnez-moi. Parce que moi, j'ai des amis russes avec qui j'échange. Moi, j'ai aussi des amis russes avec qui j'échange. Dites-moi combien de Russes, combien de Maliens et Burkinabés qui ont répondu à l'appel de la Russie pour aller faire la guerre en Ukraine. Ils sont combien? Mais la Russie, là, c'est pour gêner la France, c'est tout. Hein? C'est pour gêner les intérêts de la France. Après, elle va passer à la reconstruction de l'Ukraine. Actuellement, elle est en train d'appeler le monde entier à aller faire la guerre. Poutine veut terminer sa guerre. Poutine est en train de lancer les missiles. C'est parce que la France est en train de traîner. Sinon, Mali, Burkina, il y a de l'ordre. Hein? Il y a longtemps, il y a de l'ordre. La France traîne. La France est en train de traîner avec les pays de la CEDEAO. Ils sont en train de traîner. Le gars en guerre, vous comptez sur lui? Mais vous vous trompez. Les armes qu'il va vous donner, il a donné ça au Mali. Mali, là, il a donné des armes. Lui-même, il a besoin de vraies armes pour combattre en Ukraine. Ce qu'on vous donne là, ce n'est pas des armes. Ce n'est pas des armes. Ce que vous, Wagner vous donne là, c'est comme des sociétés privées. Abidjan, là, parce que vous avez vos sociétés privées là. Les petits, petits armes là, qu'ils ont là, c'est ce qu'on vous donne ici. C'est ce qu'on vous donne. Vous n'avez pas l'argent pour payer les armes de dernière génération de la Russie. Ce n'est pas possible. Vous n'avez pas l'argent. Au Mali même, on n'arrive pas à payer Wagner. Aujourd'hui, lui qui est au pouvoir au Mali n'arrive pas à payer Wagner. C'est un contrat. C'est un contrat entre Wagner et la Russie. Et une chose comme on appelle les sociétés privées. Il faut qu'on fasse très attention. La Russie n'a pas assez d'argent à vous donner. Aujourd'hui, le Mali a besoin de routes. Le Burkina a besoin de routes. Créer les écoles, les universités et autres. C'est de ça que vos pays ont plus besoin. La Russie n'a pas d'argent à vous donner. Et moi, je vous dis la vérité. Demandez à Simi Goïta combien la Russie vous donne. La Russie donne combien comme argent. Demandez à Simi Goïta, c'est moi qui vous dis aujourd'hui. Les armes là, il a donné 3 mines d'or. Pour que la Russie donne des armes à Simi Goïta a donné 3 mines d'or. Les armes que vous avez vues là, les armes qu'on a données là, Simi Goïta a donné 3 mines d'or. 3 mines d'or. Wagner est payé par an pratiquement 6 milliards de francs CFA. Wagner touche pratiquement 6 milliards. Un soldat de Wagner touche 6 millions de francs CFA. C'est des informations que je vous donne et puis personne ne peut discuter de ça avec moi. Parce que j'ai mes preuves. J'ai mes preuves. Les armes que la Russie donne, là, c'est à crédit. À crédit, en échange de diamants or. Parce que le Mali n'a pas d'argent. Assimi Goïta n'a pas d'argent. Donc, ce qu'on lui propose, tu traites avec Wagner, tu donnes les dents. Wagner crée or, diamant. Et puis, ça rentre en Russie. C'est de ça qu'il s'agit. La Russie ne viendra pas construire des universités, des écoles, des centres de formation. La Russie ne peut pas le faire. Votre école ou quoi, la Russie ne peut pas équiper. La Russie n'a pas assez d'argent. Regardez à Georgie, en Tchétchène, il y a tellement de boulot. La Russie est en train de se décracasser pour avoir l'argent pour construire ses hommes. Vous êtes dans des pays pauvres. Au lieu d'ouvrir des yeux, on avait la Russie. Mais la Russie ne vous veut pas. La Russie n'a pas votre temps. J'aurais voulu que c'est la Russie qui vienne vers vous. Mais chaque jour, on veut la Russie. Mais vous êtes en train de démontrer que vous ne valez rien. Vous ne valez rien. Assimi Goïta a fait quel bilan et puis vous voulez la Russie. Quel est le bilan d'Assimi Goïta? Le Mali est occupé. Les Maliens meurent matin, midi, soir. Vous-même, vous savez combien de fois les Maliens meurent chaque jour. Et puis vous êtes envers la Russie. Envers la Russie, mais vous, lui qui est votre voisin, la Mali, là, est-ce que c'est libéré? La Russie au Mali, est-ce que le Mali est libéré? C'est une question que je pose. Hein. La Russie est au Mali. Est-ce que les 70% du territoire sont libérés? C'est pas libéré. C'est pas libéré. Vous êtes dans le populiste. Je voudrais dire aux gens que c'est parce que l'Ukraine veut sa souveraineté qu'on a pris la Crimée. L'Ukraine voulait son indépendance. J'explique encore bien, il faut qu'on comprenne. Donbass, les autres pays où il y a eu la guerre à partir de 2014, ces zones-là voulaient leur indépendance. Ils voulaient leur autonomie.
Ils voulaient leur liberté. Ce que le président ukrainien n'a pas accepté. Il les a matés. Il y a eu 13 000 morts. Les villes comme Donbass, ils sont dans l'Ukraine. C'est des zones stratégiques et riches. Et ils disent, ils ne traitent plus l'Ukraine, ils veulent leur indépendance, leur souveraineté. Il y a eu 13 000 morts, plus d'un million de réfugiés. L'Ukraine les a matés. L'Ukraine les a matés. Que non, vous êtes russe. Vous ne bougez pas. L'Ukraine, après les accords de Minsk, l'Ukraine et les Donbass, et comme on appelle, l'Ukraine appartient à la Russie. De la même manière que la CEDEAO est le précaré de la France, là-bas, la Russie, c'est le précaré. La Russie et l'Ukraine est le précaré de la Russie. L'Ukraine est le précaré de la Russie. L'Ukraine veut avoir d'autres partenaires. L'Ukraine veut avoir d'autres partenaires. L'Ukraine veut aller vers les autres. L'Ukraine veut traiter les Américains. L'Ukraine veut traiter l'Europe. L'Ukraine veut traiter beaucoup de pays. Poutine dit niets. Poutine dit niets. Poutine dit niets. Poutine dit niets. Voilà le résultat, ils sont en guerre. Il est mat. Qu'on vient aller vers. Vous-même, vous ne pouvez pas changer vos terroristes. C'est pour ça qu'ils sont combien les terroristes? Les terroristes, ce sont vos parents. Vous ne pouvez pas les chasser. Quand je Poutine, même là, en Russie, là, quand les Tchétchènes, là, ils faisaient, ils organisaient les bombes, les quoi, là, eux-mêmes, ils ont battu leurs gars. Vous êtes aussi en Burkina là-bas. Vous faites des coups d'État rien que pour venir dire que non, on veut la Russie. Regardez-moi des conneries comme ça. Vous faites honte. Ça veut dire que vos armées sont encore fragiles. Vos armées sont fragiles. Ça veut dire que vous-même, là, vous ne pouvez rien. Mais au lieu d'accuser l'armée, les Kémis Seba, les Franklin Niamsi, et autres qui sont sur les réseaux sociaux, pourquoi vous ne formez pas des volontaires maliens burkinabés pour combattre les djihadistes? Les Russes le font. Poutine aujourd'hui a la puissance, c'est une puissance militaire, mais il est en train d'appeler à l'aide. Poutine appelle les volontaires. Pourquoi les militaires qui sont là ne prennent pas ces jeunes désœuvrés qui sont dans les rues au Burkina et puis aller combattre les terroristes? Donnez-les des armes. Donnez-les des armes. Il faut que vous les mettez en face des réalités de l'indépendance. La guerre d'indépendance, c'est la mort. Là où il y a indépendance, il y a la guerre. Donc, donnez-les les armes. Il faut aller se battre au front. Vous prenez les Kémis Seba. Tous ces jeunes qui sont venus, prenez les armes, allons-y, on va se battre. Mais quand ils vont aller se battre, vous allez voir, ils ne vont plus occuper les rues. Ils ne vont plus occuper les rues. Moi, j'ai dit ça à quelqu'un. J'ai dit ça à mon frère. Il y a un artiste en Côte d'Ivoire, comme on l'appelait même. Comment il s'appelle même? C'est pas Paul Matisse, c'est un Rasta, là, j'ai oublié son nom. Il était avec Ibeka et il était avec Roche Kabore, Fadel D. L'artiste Fadel D, je lui ai dit, il a dit à chaque fois quand il y a les terroristes, je vois des gens qui parlent. Fais tout, moi je vais parler à Roche Kabore. J'ai dit ça à Fadel D. J'ai dit, comme tu es avec Fadel D, tu as un réseau, fais tout, on va rentrer dans le réseau, on va changer le président. Parce que j'ai vu Kémis Seba aller là-bas. C'est que Kémis Seba allait faire là-bas, là, ça se retourne contre lui. Nous, on veut lui faire des propositions. Bon, Fadel D, j'ai fait jusqu'à, il ne m'a pas écouté. Il ne m'a pas écouté. Il ne m'a pas écouté. C'est quand Roche Kabore maintenant est tombé, c'est là qu'il voulait maintenant parler à moi. J'ai l'appelé, j'ai dit, ah, Roche est tombé. Roche est tombé. Il y a des jeunes qui sont allés applaudir les coups d'État. Mais tous ces leaders d'opinion, là, j'ai dit, on veut faire des propositions au chef de l'État. Demandez à Fadel D, je lui ai dit ça. J'ai dit ça à Fadel D, j'ai dit, comme tu es avec le président, je n'ai pas dit, moi je veux qu'on parle avec le réseau du président. On va leur montrer la stratégie parce qu'ils sont en face d'un système. J'avais proposé même que le gars Roche Kabore discute avec Blaise. J'ai dit aux gens, j'ai dû former des délégations, allons-y, dit, parce que Blaise a fait 40 ans de stabilité. Il n'y a jamais eu de djihadisme. Soro Abdul Bagana, au revoir, porte-toi bien. Tes ancêtres, tu as venu mettre tête de tes ancêtres ici. On parle, tu viens mettre tête de l'homme ici.
Tu fais ta vidéo et puis tu me réponds, c'est tout. Tu n'as pas besoin de mettre tête de l'homme. C'est pas comme ça que vous allez instaurer la Russie en Afrique. Non. Les Russes, même, ils sont bon, en Suisse ici, ils parlent avec moi. On discute, on échange. Vous, vous mettez les têtes de moi. Les Russes même qui sont ici, qui sont milliardaires, il n'y a pas un Russe qui est hors de la Russie qui est pauvre. Tous les Russes qui sont dans le pays du monde sont riches. Tous les Russes qui sont dans les pays du monde sont riches. Vous là, vous êtes pauvres. Quel combat vous menez? Quel combat vous menez? Les gens vont faire les coups d'État, ils vont vous instrumentaliser. Les gens vont faire coup d'État, vous serez toujours pauvres. Les militaires vont faire coup d'État, vous serez toujours pauvres. Rien ne va changer dans vos vies. Parce que vos mentalités posent problème. Vous ne pouvez même pas nous convaincre. Expliquez-moi comme pourquoi vous soutenez la Russie. Moi, je vais vous donner mes arguments. Mais vous insultez, vous signalez les vidéos, vous faites ceci, vous faites... C'est pas de ça qu'il s'agit. Quand vos dirigeants que vous avez applaudis, là, ils sont au pouvoir, là, nous, on voulait leur faire des propositions. Moi, j'ai voulu faire des propositions à Roche-Kabouré. J'ai dit aux uns, il n'a qu'à discuter avec Blaise, parce que Blaise a fait 40 ans de stabilité. Pourquoi il allait arriver là? Trouvez des solutions entre vous, les Burkinabés. Asseyez-vous. Faites correctement la justice. Luttez contre ces milliardaires qui sont dans vos pays, qui pillent le sous-sol burkinabé. La France ne doit pas être votre ennemi. Votre ennemi doit être les bourgeois de votre pays. C'est ce que Rawlings a fait au Ghana. Rawlings n'a pas combattu l'Angleterre. L'Angleterre n'aimait pas Rawlings. Les Anglais n'aimaient pas Rawlings. Les Anglais ont mis Rawlings dans tout. Ils ont fatigué Rawlings. Rawlings a laissé le pouvoir deux fois pour le remettre aux civils. Mais c'était le même désordre. Les Anglais n'aimaient pas Rawlings. Rawlings a refait un autre coup d'État. Il a mis les Ghanéens au travail. Les Ghanéens ont commencé à travailler. Pourquoi le peuple Ghanéen travaille? Vous voyez les Ghanéens dans les rues comme vous faites au Mali, au Burkina. Où vous applaudissez toujours les coups d'État. Vous avez bien vu les Maliens, les Guinéens, les quoi, ils sont dans vos politiques. Comment on l'appelle, les Nigériens, les Tanzaniens, Afrique du Sud, les pays maghrébiens, ils ne sont pas dans vos panafricanismes. Les pays maghrébiens, là, ils ne sont pas dans vos panafricanismes. Dites-moi, quel pays maghrébien qui soutient Assimi Goïta? Quel pays maghrébien qui soutient votre gens-là? Qui? Il n'y en a pas. Je vous dis la vérité. Vos panafricanismes, c'est dans la sous-région, dans la CEDEAO. C'est là, dans la CEDEAO, là, vous jouez sur les esprits faibles. Vous torturez les pauvres. Vous jouez avec leur conscience. Ils se brûlent. Aujourd'hui, l'autre, un des militaires, Dami Badi, lui, ne démissionne pas. L'autre dit, il faut maintenant rentrer dans les négociations. Il faut demander pardon. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Alors que les mêmes ont produit, il y a le coup d'État et tous. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Tous les Russes qui sont en France sont des multimilliardaires. Tous les Russes. Il n'y a pas un Russe qui sort de la Russie, qui rentre dans un autre pays. Puis aux États-Unis, ils sont plus riches. Poutine a fait d'eux des multimilliardaires. Ils travaillent, ils n'ont pas le temps. Ils sont dans les affaires, ils sont partout. En Suisse, ici, là, c'est des multimilliardaires. J'ai participé deux fois aux réunions des Russes. Moi-même, j'ai eu honte de moi. Deux fois à leur réunion, ici en Suisse. Tu appelles, tu t'envoies, ils te reçoivent, ils causent avec toi. Ils ne sont pas comme chez vous là-bas. Quand tu appelles des cadres, tu veux qu'on vous parle, ils se renferment sur eux. Ils ont peur de leurs propres frères ivoiriens. Ils sont dans un comportement qu'on ne comprend pas. Vous êtes au pouvoir pour un peuple, pour une nation. On veut discuter avec vous pour trouver des solutions. Vous vous renfermez. En octobre 2020, les gens ont voulu faire coup d'État contre le président Ouattara. Mais les diables, la Séné, là, ils se sont battus. Les diables se sont battus. La mobilisation des diables en Europe a convaincu la communauté internationale. Mais aujourd'hui, diables est déstabilisé par des cadres du parti. Il y a des cadres du RHDP qui sont allés salir diables. Le président Ouattara n'a pas fait attention. Il a écarté diables. Moi, je suis devant le président, je vais lui dire, j'ai dit, monsieur le président, il y a des choses, ne tombez plus dedans. Ceux qui font de sorte que vous avez la masse, vous avez la popularité, gardez-les. Gardez-les. Ne tombez pas dans le jeu de certains cadres autour de vous, qui sont là seulement pour diviser les gens. Qui sont là seulement pour diviser les gens. Ils ont eu l'argent. Moi, j'ai connu beaucoup de cadres dans l'opposition, ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien. C'est l'argent du pouvoir qu'ils ont eu aujourd'hui, ils se considèrent. Sinon, dans l'État, ils n'avaient rien. Voilà aujourd'hui les diables. Chers amis qui soutenaient la Russie, qui aimaient tant la Russie, moi je suis le premier à soutenir la Russie dans la sous-région. La Russie là, votre panafricanisme, les Sud-Africains ne sont pas avec vous. Votre panafricanisme, l'Afrique du Sud n'est pas avec vous.
Les pays maghrébiens ne sont pas avec vous. Le Nigeria n'est pas avec vous. Le Ghana n'est pas avec vous. Maroc n'est pas avec vous. Tanzanie n'est pas avec vous. Vous vous embrouillez pour rien. Vous vous embrouillez pour rien. Cherchez plutôt à vous mettre au travail. Cherchez plutôt à mettre la jeunesse au travail. Dans un pays où les jeunes n'ont pas de situation, les jeunes sont toujours manipulés. C'est pour ça que quand on forme des gouvernements, mettez des gens qui peuvent vraiment trouver des solutions aux problèmes des jeunes. La jeunesse, elle est importante. Et je profite pour dire au président Ouattara, il faut que vous mettiez des hommes à la tête des ministères chargés de la jeunesse. Trouvez des gens qui vont garder la constance vis-à-vis de la jeunesse. C'est important ce que je suis en train de dire. Ils sont en train de manipuler les jeunes dans la sous-région. Les ministères de l'emploi, trouvez des gens qui vont tenir compte des 31 régions de la Côte d'Ivoire. Qui vont tenir compte des fils, des filles et fils de la Côte d'Ivoire sans discrimination. Mais là où on est aujourd'hui, il y a un gros problème. Après le Burkina, c'est la Côte d'Ivoire qui est visée. Après le Burkina, c'est la Côte d'Ivoire qui est visée. Après le Burkina, c'est la Côte d'Ivoire qui est visée. Faisons très attention. Les Blancs n'ont que des intérêts. Quand ils vont commencer à remarquer, c'est eux-mêmes qui ont créé le désordre. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Quand Blanc est en train de regarder, l'arrêt, c'est eux-mêmes là qui vont commencer demain à rentrer derrière des gens. C'est eux-mêmes là qui vont commencer. C'est pas le président Ouattara. Les Blancs ont manipulé Soro. Soro a renversé Gbagbo. Ils ont pris Soro. On dit, va tu es son premier ministre. Va être ministre de la Défense. Il faut l'embrasser. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Alors Gbagbo n'est pas venu. Faisons attention. Non, Fatou après un jour, il ne pouvait rien faire. C'est moi qui t'ai dit ça. Après un jour, Fatou, il faut les laisser comme ça. Après un jour, il ne pouvait rien faire. Moi, je les connais. J'ai dit, c'est des analphabètes. Après un jour, il ne pouvait rien faire. Quand je dis analphabète, là, c'est deux, je parle. Ça, les vont dire quoi? Ils ne peuvent pas mener débat avec moi. Des illettrés comme ça. Des illettrés. Ils sont limités entre eux. Et ceux-là, ils ne voyagent pas. Ceux qui insultent, ils connaissent quel pays? Est-ce que moi-même, moi, Zasso, je suis enfant de pauvre. J'étais gagnant. Je rentre à Abidjan, je suis dans tous les pays de l'Europe. Donc, moi, quand je parle là, j'ai confiance en moi. Mais eux, là, ils vont où? Ils n'ont jamais pris l'avion. On les a convaincus que 46 soldats peuvent faire un coup d'État. Ils ont tout accepté. Ils ne savent même pas comment on met dans les avions, on met bagages, même ils ne connaissent pas. Dans les avions, avant de quitter l'aéroport pour aller là, ils ne savent pas comment ça se passe. Mais on leur a dit que 46 soldats pouvaient renverser Damiba. Ils ont cru à ça. Non, ceux-là, si c'est ceux-là, il faut les laisser comme ça. Les coups d'État sont dans les traditions des Burkinabés. Les coups d'État, c'est la tradition des Maliens. Les coups d'État, c'est la tradition des Guinéens. Ils sont versés chez moi à Fatou. Je les connais. Dans leur pays-là, ils quittent là-bas et viennent chez nous. Ils n'ont jamais dit à leur population, restez chez vous. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas. On a plus de combien de millions de Burkinabés sur notre territoire? Parce qu'Oufoué a travaillé. Oufoué nous a donné 40 ans de stabilité, la mise stabilité dans la sous-région. Mais les temps changent, les choses évoluent. C'est pour ça que nous allons nous battre pour revoir la communication. Nous allons nous battre pour trouver des hommes de bonne foi. Des hommes qui aiment l'Afrique, qui sont pour la stabilité en Afrique, qui sont pour la paix en Afrique, qui veulent vraiment que cet esprit de panafricanisme soit anéanti. Il faut stopper ça. Nous allons nous regrouper. On va mener le débat. Kemi Seba m'a bloqué sur sa page. Kemi Seba là, il m'a bloqué. Demandez-le. Allez-y sur sa page. Il m'a bloqué. Kemi Seba, moi, Zasso, il m'a bloqué. Il a fait vidéo où il a insulté Gouza. Kemi Seba dit que Gouza là, il soutient RHDP, Pierre est pauvre. Kemi Seba a fait ça. Il a dit ça. Il dit toi, Gouza là, toi, tu soutiens un président qui est puissant dans le monde pour vous être pauvre. Kemi Seba a dit ça. Vous n'avez même pas les moyens pour vous débattre, pour aller dans les sous-régions pour parler. Il a dit ça à Gouza. Demandez à Gouza. Kemi Seba a insulté Gouza. Il dit, vous n'avez même pas les moyens pour aller dans les pays, même parler même. Parler du président Ouattara, parler de votre leader. Vous n'avez pas. Il lui a dit ça. Mais c'est la vérité. Quand il a fait sa vidéo, Gouza voulait s'énerver. Mais il dit, il ne faut pas s'énerver. Ceux qui sont autour de Ouattara, là, et ils sont riches, c'est fini, ils s'en foutent. Il y a certains mecs qui négocient pour que Soro revienne. Il y a certains cadres qui négocient pour que Soro revienne. Moi, je vous donne l'information. Il y a des cadres dans nos partis qui disent que Soro, c'est leur frère. Amadou Gon est mort, Ahmed est mort.
Et ils pensent que Soro peut faire l'affaire. Donc, certains soutiennent Soro dans ça. Tout ce que Soro fait dans la sous-région, nombreux de nos cadres savent. C'est moi, Zasso, je vous parle. Autour du président Ouattara, là, il y a une hypocrisie notoire qui ne dit pas son nom. C'est parce que le vieux, là, il est fort. En octobre 2020, Ouattara allait tomber. Le président Ouattara allait tomber en octobre 2020. C'est les réseaux sociaux qui ont relevé le grand débat et l'armée. Parce que nous, l'armée, on est en phase. L'armée ivoirienne et nous, on est en phase. C'est-à-dire, nous, les communicants du pouvoir, c'est-à-dire, nous qui avons pris de façon volontaire en main le combat du RHDP, nous arrivons même à convaincre beaucoup de soldats, de gendarmes dans nos pays. Mes vidéos-là, c'est suivi par beaucoup de soldats. Des soldats qui m'appellent pour dire, mes enfants, tu as raison. Tu as raison. Des militaires qui se sont entretués dans mon pays pour des coups d'État. Beaucoup de militaires sont morts. Des officiers, des généraux ont été tués pour des affaires politiques. Ils ont laissé leurs enfants dans la misère. Mais aujourd'hui, Ouattara est en train d'organiser une nouvelle armée qui s'occupe de la vie des soldats. Nos soldats aujourd'hui sont fiers d'eux. Nos soldats aujourd'hui ont compris que la Côte d'Ivoire se développe. Et quand un pays se développe, elle doit avoir une armée responsable, une armée organisée et disciplinée. Ici, là, les soldats français ont des problèmes. Les soldats français, ils ont des problèmes, ils n'ont jamais fait de coup d'État. Les soldats américains ont des problèmes, ils n'ont jamais fait de coup d'État. Eux, c'est le drapeau. Ils ont prêté serment, c'est le drapeau. Ce n'est pas le coup d'État. Cher ami, Ngolo, tu dis, Ngolo, non, Ouattara, il va finir son mandat tranquillement. C'est moi qui t'ai dit ça. Ce que vous faites là, nous, on connaît ça. Les mouvements de déstabilisation, la propagande là, moi, mes assos, ils finissent. Propagande là, nous aussi, on connaît. Ah oui? Propagande là, nous aussi, on connaît. C'est-à-dire le fonctionnement des Kémy Séba là, nous, on connaît. La chance que les Kémy Séba ont, ils ont les moyens que nous. Les Kémy Séba ont les moyens que nous. Ça, devant Dieu, je ne peux pas mentir. Les Kémy Séba sont soutenus par les systèmes dont ils se battent pour eux. Eux, ils ont les moyens que nous. Les Franklin Niamsi ont les moyens que nous. Ça, c'est la vérité. Ça, je ne peux pas mentir. Les moyens qu'eux, ils ont, nous, on n'a pas ça. Parce que dans notre système RHDP, il y a de nombreux qui sont avec des Burkinabés, qui sont avec des Maliens. Et c'est ce que nous, on a compris. Donc, la Côte d'Ivoire, leurs propres frères, qui ont des visions pour protéger la lutte, ce n'est pas leur problème. Et c'est une vérité que je vous dis, moi, je ne vous cache pas, parce que je les connais la plupart. Je les connais. Comment, depuis que nous sommes au pouvoir, des gens agressent le président Ouattara, des gens agressent la Côte d'Ivoire, puis tous, ils sont muets. Pourquoi? Ils sont muets, pourquoi? Ils n'ont qu'à nous dire. Pourquoi tous sont muets? Mais ça là, quand Gbagbo, si on dit tout de suite, Gbagbo a dit quelque chose, tous vont se réveiller. On a qu'à dire tout de suite, Gbagbo a dit ça. Et tous vont se réveiller, tous vont commencer à faire déclaration, ils vont parler. Ils vont faire déclaration, ils vont parler. Assimi Goïté insulte Ouattara, ils sont muets. Au Burkina, on nous insulte, ils sont muets. En Guinée, on nous insulte, ils sont muets. Mais c'est quoi le problème? C'est la question que moi je pose, c'est quoi le problème? Portez-vous bien. Vous pouvez changer de partenaire. Nous ne sommes pas contre le fait que vous changez de partenaire. Mais vous voulez changer de partenaire, amenez ça devant l'Assemblée nationale. Ouvrez les débats devant l'Assemblée nationale. Parce que ne choisissez pas la Russie pour vos propres intérêts. La Russie va vous donner un peu d'argent. Vous allez venir vous asseoir dans les palais. Vous allez manger avec vos parents. Mais vous n'allez jamais construire de route. Vous n'allez pas développer le Mali. Vous n'allez pas développer le Burkina. Parce que Poutine ne vous donnera pas des milliards pour faire des routes. Ce n'est pas possible. Poutine ne vous donnera pas des milliards pour être des puissances. Il ne va pas le faire. Vos enfants là, ce n'est pas Poutine là. Ce n'est pas possible. Moi je vous dis la vérité. Ne vous fatiguez pas. Poutine n'a que des armes. Il peut vous vendre. Mais ces armes là, vous ne pouvez pas aussi prendre pour faire guerre. Parce que vous n'êtes pas habitué à la guerre. Vous n'arrivez pas à affronter vos frères djihadistes et terroristes. C'est une honte. Chers amis, portez-vous bien. C'est un message que moi j'ai voulu faire passer. Merci de partager énormément encore cette vidéo. J'ai eu mal. J'ai pensé que les Maliens et les Burkinabés allaient s'organiser pour soutenir la Russie. Aucun Burkinabé ne s'est levé pour dire on essaie de façon volontaire à aider la Russie. Mais ils attendent que tous la Russie vienne les libérer. Alors que la Russie est en guerre. Ce n'est pas quelqu'un qui est en guerre encore qui va venir vous aider. Lui, il est en guerre. Donc, il préfère envoyer les sociétés de gardiennage. Allez-y traiter avec eux. Vous avez vu le patron de Wagner, j'ai mis sur ma page. Il était content de ce qui arrive au Burkina.
Mais après, c'est la Côte d'Ivoire. Après, c'est la Côte d'Ivoire. Ils avaient essayé en octobre. Ils sont en train de changer de stratégie. Ils veulent ouvrir une porte vers Bamako, vers Ouagadougou. Une porte vers Mali. Regardez les deux hommes, le nord. Ils visent le nord de la Côte d'Ivoire. Ils visent tous le nord de la Côte d'Ivoire. Non, soyons très vigilants. Il faut reprendre les mobilisations. Il faut reprendre l'éveil des consciences. Il faut aller parler à les parents. Mobilisons-nous, trouvons les moyens, payons les carburants, payons les voitures, allons-y dans nos régions, allons sensibiliser nos parents. Moi, je vous dis la vérité. Parce que ceux qui sont au pouvoir ne vont pas le faire. Et là, nombreux sont à SRO. Nombreux de nos riches du pays, ils sont à SRO. C'est moi qui vous dis ça. Ils sont à SRO. Ils sont là, puis SRO se promène dans la sous-région. SRO est partout. Même les services de renseignement français sont informés que SRO est là. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. SRO est derrière tout ça. SRO est derrière tout. Hein. SRO veut forcément une autre guerre en Côte d'Ivoire. Tant que lui n'est pas président, il ne va pas s'en sortir. Il sait que le président va être en train de prendre de l'âge. SRO sait que le président va être en train de prendre de l'âge. Il sait que le président aussi commence à être fatigué. Il sait que le président Ouattara commence à être fatigué. SRO sait. SRO sait que le président Ouattara commence à être fatigué. Il sait. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il connaît aussi ceux qui sont là. Nombreux sont égoïstes. Ils ne partagent pas. Ils ont peut-être beaucoup de parents maliens, burkinabés. Nous, on ne sait pas. Moi-même, ça me fatigue. Parce que quand tu veux attaquer le Burkina, comme on peut dire aux jeunes leaders, ne vous prononcez pas sur ce qui se passe au Burkina. Ne vous prononcez pas sur ce qui se passe au Mali. Mais c'est grave. Comment des cadres d'un parti politique? Mais c'est votre pouvoir qui est attaqué. C'est votre pouvoir qui est menacé. Tout ce qui se passe là, Simi Goïta a pris vos soldats, mais c'est vous, c'est une déclaration de guerre contre votre régime politique. Le fait qu'on prenne les 46 soldats, c'est une déclaration de guerre contre vos soldats. Et vous, les cadres, les riches, vous refusez de financer les activités des jeunes. Vous demandez aux jeunes, ils n'ont qu'à se taire. En cas, c'est Ghana, là, ça va, on va parler. Là, on va dire non, c'est le pro-Babou, parce que c'est Ghana. Quand c'est Libéria, là, c'est ça? C'est là, on va parler? Non, c'est pas sérieux. S'il y a des problèmes entre vous et le Mali et le Burkina, dites-nous qu'on va se taire. Nous, il ne faut pas se fatiguer. Parce que nous, on pense que c'est notre pays qui est en danger. Mais si vous qui êtes là, vous pensez que vous avez trop de liens avec certains Burkinabés, Maliens, c'est votre problème. Si vous faites vos affaires. Mais nous, c'est notre pays que nous défendons. Je suis désolé de le dire, mais nous défendons la Côte d'Ivoire. Je sais que vous êtes des Ivoiriens, le pays vous appartient, mais changez votre stratégie de communication. Votre silence donne force à SRO. Votre silence permet à SRO de conquérir assez de territoires. Aujourd'hui, ils viennent de mélanger le Burkina avec Wagner. Ils se sont associés avec Wagner aujourd'hui. Ils se sont associés avec Assimi Goïta aujourd'hui. Ils ont manipulé les Burkinabés. Regardez les deux hommes de Burkina. Et vous, vous êtes dans un pouvoir. Moi, j'étais dans l'opposition avec le président Ouattara. Mais ce que je suis en train de voir aujourd'hui, je suis déçu. De certains de nos cadres, je suis déçu. Quand les gens sont dans l'opposition, ils ont la conviction. Ils ont la conviction. Ils mouillent le malot. Dès qu'ils sont assis, ils sont riches, c'est fini. Il ne faut plus compter sur eux. Quand ils sont dans l'opposition, ils ont la conviction. Mais dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils commencent à avoir l'argent. Ils sont dans de grosses voitures, de grosses maisons qui n'ont jamais eu, c'est fini. C'est pour ça que je dis en Afrique, là, notre lutte, là, faut plus, on va permettre aux gens d'être riches. Menons des combats contre la corruption. Si on met le combat contre la corruption, les djihadistes vont disparaître. Si on met le combat contre le détournement des deniers publics, les djihadistes vont disparaître. Si on met le combat contre les disparités, les djihadistes vont disparaître. Quand on va commencer à faire des pressions sur nos maires et autres, et que nos villes vont se développer, les djihadistes vont disparaître. Mais tant qu'on restera là à jouer le jeu, les gens volent, ils détournent, ils s'enrichissent, et puis on les applaudit, on ira de coup d'état en coup d'état. Je suis désolé pour vous, mais c'est la plus vérité. Portez-vous bien. Et puis, on a demain. Bon dimanche à tout le monde. Que le Burkina continue de faire ses coups d'État. Ils n'ont qu'à rester dans leur apologie de coups d'État. Ils n'ont qu'à continuer d'applaudir leurs coups d'État. Nous, on les regarde.